Enfin, avec toutes les galères, je vous ferai pas un petit résumé parce que ça prendrait trop de temps. Mais on est en live et là, on n'est pas tout seul. Je suis pas tout seul puisque ça va être un live à plusieurs, un live de retraités. On est tous des vieux et on va être trois ou quatre régulièrement. Et je vous présente Gros Chip qui est là Hello. et la hyène. Et la hyène est là aussi. Donc Et salut. voilà, ça va être une nouvelle saison, une nouvelle série avec du PVP évidemment. On est sur un serveur secret. Voilà. On a avancé un petit peu, on a construit le minimum de la base et fait 2-3 tours en ville pour gagner un peu de temps. Mais maintenant les choses sérieuses commencent. Et il n'y a pas d'image sur le stream. Ça commence super bien puisque j'ai oublié de rajouter l'image. Mais il y a le son. C'est déjà pas mal. Et évidemment, ça s'appelle du professionnalisme. Avant d'aller faire un petit tour dans un bunker, on démoule un cake. Oh putain, la crédibilité. Ah, c'est beau. On pose une pêche. Exactement. Une fois que tout le monde a posé sa pêche, on va pouvoir y aller. Donc, pour être franc avec vous, on n'a presque pas d'armes à feu. Pour dire qu'on n'en a pas. Il y a un fusil à pompe, un gun. On a une ou deux armes de côté. On a un M16 qu'on a looté hier avec un peu de chance et un fusil à main. Mais on n'a pas de balles, on n'a pas de chargeur. On est totalement à poil. Donc voilà, là on va espérer avoir quelque chose de sympa. Et donc les lives seront parfois je serai tout seul, parfois on sera 2, 3, 4. Ah, mais c'est. Ça va être vraiment un épisode de PVP. On est là pour ça, quoi. Le stream il est lancé parce que ma fille arrive pas à se connecter. Enfin, Il y a rien, il n'y a pas de vidéo, est pas de son. lancé, il y avait pas l'image, mais maintenant il y a tout ce qu'il faut. Peut-être parce qu'elle n'est pas sur la bonne chaîne. Non, je plaisante. Non, non, mais tout est bon, normalement, il n'y a pas de problème. Je suis en même temps en train de regarder sur mon PC et ça tourne. On se fait le petit village sur le chemin, hein, quand même, je suppose. Ouais, on peut. Là, j'ai juste me poser 2 secondes pour voir si j'arrive à le lancer sur sa tablette. Ça marche, on t'attend dans les buissons. Bon, il y a quand même du monde actuellement sur le serveur, donc on va essayer de se la jouer discret. Pour être franc avec vous, j'en profite pendant que Rochif fait une ou deux, trois, une ou deux configs. J'ai tellement eu de galère sur mon PC, j'ai dû formater 2-3 fois que il se peut qu'il y ait des des Ok, petits deux soucis trois de fois streaming. que. Alors là, on est bon. Techniquement, pour moi, ça marche. Ouais, bon, elle arrive à se connecter sur la chaîne et peut pas faire play. Je comprends pas. Et ma femme, pareil, a le même problème. Salut, Mista. Et elles sont toutes les deux sur tablette? Ouais. C'est bizarre. Parce que j'ai changé quelque chose sur la résolution qui fait qu'en fait, ça passe pas sur tablette. Et je lui ai demandé de chercher la mienne pour essayer. Bonne année, Missa, meilleurs vœux. C'est moi ou j'entends une espèce d'animal? Non, c'est un zombie. Ouais, y a un zombie, juste à côté de moi. Il y en a un d'en bas aussi. Faut dire que l'arc c'est efficace, hein, quand même.
Il y a un mec dans le village. Ouais, ils viennent le shooter le zombie que j'étais en train de tuer. Il y a des flèches. Il y a un mec sur le dans la maison en face, hein, en plein ouest, la maison à côté de la petite grange, il y a un mec dedans. Je sais pas s'il est armé par contre. Hein. Bah, on va le contourner, hein. On va le prendre de plusieurs flancs. Et je vais à 3 heures. Je crois qu'il y a ta fille qui est connectée. Oh, je l'avais dans mon viseur. Il va ressortir bientôt là. Il sort devant. Ah, je suis derrière moi. Je passe derrière la maison. J'ai perdu de vue. Il avait un casque militaire quand même. Hein. Je rentre dans le garage. Il est vers l'ouest. Pour moi, oui. Il est ressorti par la porte de devant. Donc il doit être dans le truc près des vergers là, du verger. Ouais, mais j'ai des arbres devant, je vois. J'ai pas de visu. Attends, je vais aller faire le lapin. Je vais à 3 heures sur toi, gros. Prendre le gun, c'est quand même plus douloureux que l'arc. Il est dans la maison, il est en train de looter, je crois. On va l'attendre et l'encadrer. Faudrait que quelqu'un aille derrière. Moi, je suis dans la maison là. Il y a les portes ouvertes ici. Ouais, mais il est devant nous là. Je vais au deuxième étage. RAS ici. Passe par devant. J'entends plus rien. Il nous attend peut-être. Monte. Bon bah je vais rentrer hein. Non, non, attends. Un fusil, c'est quand même mieux que le gun. Reste planqué, je vais faire genre je me barre, voir s'il sort sa tête. À mon avis, il nous a entendu. Cette flèche en carbone. Je m'éloigne, je prends un peu d'écart, mais... La hyène, t'as une vue sur l'entrée du bâtiment? Oui. Ouais, reste dessus. Oh, salut Yannick. Salut Lina aussi.
C'est vrai que là, on commence sur un début de game assez concentré. Meilleurs vœux à tout le monde. Je vous souhaite franchement le meilleur. Parce que j'ai la chance d'avoir une bonne communauté. Et j'espère que vous aurez une superbe année 2021 en tout cas. Et à ceux qui jouent avec moi, évidemment. Hop, hop, hop. J'ai l'impression qu'il est parti, le mec. Hein. J'ai peut-être entendu du bruit, mais je sais pas s'il était vraiment là, quoi. Là, je suis en train de contourner, je suis en train d'arriver en face. Allez, je remonte direction la maison où t'es. Ça me fait plaisir de faire des lives, ça faisait presque 15 jours, presque pas loin de 3 semaines. T'es rentré dans la maison là? Ouais, je suis dedans. Elle a pas été lootée apparemment. Ah quoique. Ah, attends. Alors, c'est un serveur privé avec les rates de l'officiel. À quelques toutes petites modifications près. Et un sac à dos camouflé. Regardez s'il était dans la petite tourelle, mais il n'est pas là. Y a rien, c'est vide. Oh! C'est mignon ça, vous avez eu toi trois la pro, c'est cool ça. Ils Non, il est sont nés parti. dimanche matin. Oh, c'est mignon. C'était pas prévu, c'est la surprise. Est-ce que vous leur avez donné un petit nom quand même? Bon, il est parti, on peut y aller la hyène. Ouais, rable, cuisse et paupiette. Superbe ça. Bon, bah on est reparti, hein. Ouais, bah du coup on va aller direct au bunker. Hein. À mon avis, il y est peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Ou camouflé dans un forêt. Oh, s'il a une AK. Ah, j'ai pas vu. J'ai juste vu qu'il avait gros sac à dos, casque militaire, et qu'il était seul. Et le sac à dos, t'as vu la couleur ou pas? De couleur foncée. Et son pantalon? Il en avait un. Bon, on est bien. Allez, c'est parti. Évidemment, quand je pars, il commence à avoir faim et soif. Mais bon. Est-ce qu'il faut toujours des cornichons sur moi? Des concombres. Ouais, faut qu'on chope du gibier. Ah ben, il y a plein à manger là. J'ai ramassé les cadavres d'hier, je les ai mis dans le coffre. On peut les manger. Ouais, comme j'étais pas sûr que t'étais à fond en bouffe, j'ai pas osé la taxer. Ah si, si, il fallait. T'as vu tout ce qu'il y a. La couleur du caleçon, je sais pas, ça j'ai pas vu. Ils se foutent de ma gueule en plus, hein. Ah, ils sont forts. Allez. Bon, maintenant on sait comment rentrer dans celle-ci. Ouais, mais on sait toujours pas comment sortir. On a réussi, hein. On n'est pas mort. Ouais, on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'il y a des flèches? Qu'il y a un arc là, c'est toi? Ouais, c'est un arc. J'ai 12 flèches là, si tu veux. Ouais, je suis preneur. Hein. Un 7 même. Qu'en plus c'est des flèches jaunes, ça se voit, c'est voyant. Effectivement. Ça lag. Thank Voilà, you. monsieur. Gracias. Nada. On va faire gaffe que le mec
vois pas devant, mais on va le voir tout de suite. De toute façon, à 3, on est bien. On est tellement bien équipé qu'on est bon là. Il y a un de mes amis qui a une voix de tueur. bonne nuit Missa, bon courage pour le boulot. Là je vais stream jusqu'à je pense 23h à peu près. On va reprendre doucement, mais là comme je vais avoir quelques jours de vacances avant que je redépose le PC en réparation parce que j'ai eu plein de galères, je vais pouvoir stream pratiquement tous les jours même en journée, donc Et pour ceux qui ont la voiture, c'est la hyène. Hein. Il est... tu devrais courir, cours. D'où il m'a vu, lui. On va regarder qu'il y ait personne derrière nous. En plus, il y a un zombie explosif dans le coin, donc... Ah, hier, c'était horrible. Hein. On en a tué au moins une dizaine, des zombies. Oh, merde! Tu tires dessus, là? Ah, il est monté jusque... Attends. Ouais, je le vois. Je vais lui tirer dessus à l'arc. Non, non, c'est bon, je peux me discipliner, c'est pas un problème. Prends pas de risque. Ah, rentre, profite-en, tu peux rentrer, vas-y, il est totalement bloqué en haut. Profite-en pour rentrer dedans. Je suis en train d'aggro tous les zombies. Bon, lui au moins il est rentré, ça c'est bon. Bah, je vous laisse la porte ouverte, hein. Yes. Et il est bugué, le... Il est bugué. Je vais essayer de passer. Je suis passé comme hier, tout droit, tranquille, mais... Je sais pas, il y a un morceau qui dépasse. Tu me dis, hein, si je peux y aller. Ouais, là, il a l'air bugué, vas-y, hein, profite-en. Enfin... Ouais, tu peux y aller, il est à gauche. Non, va-t'en. Ah non, il a repris la course. Tu peux pas y aller. Il a repris sa course. Là, il est en mode vénère en plus. Il y avait un Glock et un chargeur sur le zombie. Non. Si. Nice. Bon, il est amoché, mais. Il fait quoi? Il est totalement bugué, le. Je vais ranger ma pioche, comme ça je vais pouvoir courir plus vite. Toi, j'ai trouvé ce sac dans une maison. Je vais l'utiliser pour ranger du bordel. On va commencer à nettoyer. Vous êtes où là? On est à l'entrée. Est-ce que moi je connais pas ce bunker? Alors, quand je te dirais, t'es toujours à l'extérieur, on est bien d'accord. Hein. Ah non, je suis devant là où il y a les. T'es au-dessus où il y a les containers? Où il y a les containers blancs là. Ok, quand je te dirais, commence à trottiner là, tout doucement. Et là, tu peux courir dedans. Rush, si tu peux. Sauf si t'es loin. Merde. Repars. En fait, il fait le même trajet à l'horizontale. Il va aller... Quand il est tout à droite... À ta droite... Quand il commence à faire demi-tour, tu marches tranquillement. Évidemment, il faut pas qu'il... Merde. Et il y a un zombie en plus. Alors, s'il monte vers le haut, vraiment en haut comme tout à l'heure, contourne par la gauche, tu vas pouvoir rentrer. J'ai déjà fait les caisses à l'entrée, une ASVAL et un chargeur de MP5. T'as tout fait? Ouais. Le problème c'est que je trouve pas l'entrée là. Alors, tu vois où il y a les containers blancs? Oui. L'entrée elle est juste en dessous en fait. Tu vois mon nom, regarde, je suis juste en dessous de toi. Là, si t'es à gauche, vas-y, tu peux commencer à trottiner, là. Il va s'arrêter une fois en plein milieu. Il t'a vu. Au revoir, Mathieu.
Je suis à 93%. Attends, je vais essayer de sortir, je vais venir te chercher. Attends, je vais voir si je vois pas. Je pense mes blessures là. Bah, au pire, tu nous couvres à l'extérieur, hein, mais si t'as pas d'armes. Tu connais le boulet qui part sans ses carreaux d'arbalète? Gros chiffre? C'est ça. Alors, quand tu te seras restabilisé normalement, quand t'es Je suis à 94% là. Quand tu seras en haut, tu te mets le plus à droite possible. Quand tu regardes l'est, tu te mets le plus à droite possible, prêt à descendre. Peut-être tu t'allonges derrière les sacs de sable au pire. Et quand je te dirai, tu trottines quelques secondes, et quand je te dirai courir, tu cours. Je suis derrière les sacs de sable là. Tout à droite, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Là, tu peux commencer à trottiner, Sophie. Vas-y, trottine tranquillement. Ah non, il est là. Ah. J'ai un bug d'affichage à chaque fois. T'es ressorti là? Ouais, bah j'ai un bug. Voilà, ailleurs, couvre-nous. Tu nous dis si tu vois quelqu'un rentrer. On va le faire vite fait, les petits bunkers. Ouais, bah allez-y. Ou c'est non, à défaut. Une fois que t'es en haut, et il fait toujours le même chemin. Droite, il s'arrête, et il va à gauche. Et quand il commence à partir vers la gauche, et bah du coup, bah tu commences à descendre. Et une fois qu'il s'arrête et qu'il repart, là tu peux courir pour rentrer dedans. On t'a laissé les portes ouvertes. Ah, il veut pas. Hein. Oh, laisse-le se calmer un petit peu. Donc j'ai un M16, une mine, un AS-VAL, un sac à dos camouflé. Chargeur d'AKSU, chargeur de MP5. T'as eu tout ça là? Ouais. Oh non. T'as eu ça dans l'armurerie? Ouais. Chargeur de 9 mm. Là. Il est pénible à vouloir s'asseoir lui. Oh, c'est gentil. Elle est trop mignonne ta fille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était le meilleur. Et en plus, comme on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, en plus, le meilleur. Il y a un zombie là en plus. Moi je ramasse des cadenas, ouais. Hein, j'en suis à 4. Elise, la prochaine fois tu seras privé de live. Non. Ah ouais. Alors, j'ai un M911, un cadenas. Ah, t'as réussi à rentrer? Je suis en train de faire les. La cabane du dessus? Oui. À défaut 2. Fais gaffe en zombie explosif. Et j'ai là les cadenas là, on est déjà à 3, 7, 8. 8 cadenas. Bon, c'est vrai qu'on y va un peu à la bourrin, mais je pense qu'il n'y a personne dans le. Dans encore le un cadenas, une P5K. Un P5K? Oui. Ah, on est tous les meilleurs, tu vois. Elle a senti la pression du papa derrière. Ouais, je te rattrape. Il y a encore un truc là, ouais. Ah, un zombie. Celui-là, il nous embêtera plus.
Oh, des flèches en métal, c'est bien. Faudrait qu'on ait tous au moins une arme à feu pour se couvrir les uns les autres. Alors, l'armure duo, qu'est-ce qu'elle va nous donner de beau? Gilet pare-balles. Ah, c'est bon ça. Alors, c'est un gilet balistique résistant. Un Glock à 37%. Encore un tournevis. T'as pu ouvrir ceux du bas? T'avais pris ce qu'il fallait? Non, oh, j'ai ramassé. Une arbalète. La belle. Cool. Ah, nice, ça fait plaisir ça. Bon, écoute, j'ai jeté la mienne. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de sortir. Je vais sortir et je vous attends à l'extérieur. Ça marche, tu fais le guet? Ouais. Parce que là, je viens de faire les trois. J'ai deux M1911 avec du stuff, donc j'ai pas envie de me faire tuer, donc je vais faire le guet. Moi, j'ai récupéré un chargeur. De 1911? Ouais. C'est parfait, ça. Et j'ai des balles de 9 mm, là. Oh, je t'ai trouvé une superbe veste rose-violet. Ça, c'est juste ça, c'est ça. Ah, c'est juste ça, c'est aussi. C'est moi. Bon, de toute façon, avec moi, on était grillés, donc... Et une d'ouverte. Ah, un Glock en bon état, 74%. Ça va, il m'a pas touché. Je vais pouvoir jeter l'autre. Pour éviter toutes les mauvaises surprises, toutes les balles en mauvais état, on jette. Ça sert à rien de les garder. Là, on va se faire avoir pendant les PVP. Les armes qui sont en raid. Ouais, surtout toi, t'as jamais de bol. Non. Là, y'a ma souris qui a bugué. En plein lockpicking, c'est très utile. Bon, je suis sorti. Et voilà, laborieux. Oh, chargeur de M16. Ah bah c'est bien, ça ira bien avec... Bah du coup on en a deux, on va pouvoir, on va pouvoir sortir l'arme, il faudra juste trouver des balles. Trouver aussi un stylo et des piles. Ça, c'est... Oh, une clé mort. Ah, ça... j'ai une mine antipersonnelle aussi. Hein. Ça fait plaisir ça. On sera pas venu pour rien déjà. T'as fait la partie haute? Je viens de commencer, j'ai presque rien fait. La salle de contrôle, t'as pas fait encore, hein? Si, c'est, y a que ça que j'ai fait, et les casiers en sortant. Ok. Moi je pense que j'ai fini de faire le tour. Ah super, on a deux arbalètes là. Hein. Bon, les pistolets ils sont à 30%, mais bon, si on peut les réparer. Par la suite. Non, jette-les, t'embête pas. On va on va en trouver plein et on trouve tellement peu de trucs de réparation. Le attends, celui-là il a pas été picklock. Bonne nuit Lina. Merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. Et c'est de ma faute, j'ai commencé trop tard. C'est ma faute. Bon courage pour demain, je pense que t'es... Ah bah non, t'as pas école le samedi toi? Non, elle a pas école le samedi. Bah repose-toi bien. Oh putain. Tu m'as fait flipper. Moi aussi. Désolé pour le gros mot. Hop. Il y a que cette partie-là que j'ai pas fait. Il y a du zombie qui râle à l'extérieur. Faites attention quand même quand vous sortez. Ça marche. Et je crois que c'est parce qu'il nous détecte en dessous, je crois. Ouais. Là, j'ai plus mon arbalète. Attends, je le charge. Ça, c'est l'entrée, ça. Il est déjà revenu.
Non, c'est pas la killbox. Ah oui, 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 à côté. Non, la killbox elle est en bas. Hein. J'ai un sanglier en face de moi. Dommage. Bah. Chope-le. Bah, ah. avec la pioche, ça va être compliqué. Un genre de 1911. Ah oui, on l'a entendu le sanglier. Après, je peux essayer de le taper, mais s'il me charge, ça va faire beaucoup. Ah, le zombie s'est téléporté à travers le mur. Ah, une banane, t'en as une? Moi oui. Et lol, il m'a chargé, j'ai sauté par au-dessus. Des balles de M16, ça c'est top. Encore un chargeur de 1911. Il y a un petit mirador là, je vais aller faire le tour là-haut. Ah mais il faut qu'on aille à la killbox, ça serait top. J'ai droppé une carte d'ailleurs. Ça ouvre C1. Super. C'est pas plus loin, tu vois. Là, bon, c'est on est bon. Hein. Ouais, on a tout fait. Bon. Par contre, ouais, faut aller à la killbox. T'as de la place pour un M16 ou autre? Si je range, peut-être. Ou un Aesval. Tiens, déjà j'ai ça pour toi. On m'a pris de la place. Ouais, un Aesval, je peux pas. Ah, prendre. Bah j'ai jeté l'arbalète. Ok, bah tiens, tu veux l'autre? Le problème c'est que j'ai pas de place pour la porter. Vas-y, je vais la porter. Moi j'ai de la place hein, si vous voulez. Sinon, je peux jeter ça. Oh non, il est beau le sac. Garde-le, garde-le. Bah voilà. Je vais prendre ton Aesval, vas-y. J'ai de la place. Alors sur le mirador, il y avait. Un foulard et un chapeau militaire. Ah ouais, mais non, avec le sac, même là, ça passera pas. Attends, je vais mettre ma masse dans le sac. Si t'as encore des petites surfaces, je peux prendre, hein, j'ai de la place. J'ai trouvé ça que je voulais pas acheter. Je peux le prendre. Là, c'est bon, j'ai un slot de libre. Et là, je suis full par contre. Moi aussi. Mais au moins je peux ranger mon fusil à pompe. T'as tout projeté là? Alors. Tiens, tu peux passer le chargeur et les balles. Je les fous sur le M16, comme ça libère de la place. Les balles, j'en ai droppé 5, elles sont là. J'ai mis les balles par terre, ouais. Ok. Attends, j'ai un chargeur de normalement de 1911, je vais mettre les balles dedans, ça va faire un peu de place. Ok. C'est ta masse qui est par terre? Ah ouais, faut que je la porte. Ça vaut le coup de crocheter ça ou pas du tout? Moi j'en ai fait un, mais il y avait rien dedans. T'as tout fait ici, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, normalement là c'est tout écrocheté. Laisse tout ouvert, hein. Hop. Comme ça on est sûr de pas y repasser. Et puis comme ça, c'est des mecs qui viennent. Il y a du jet là. Ah, on a oublié un morceau. Elle est là, la killbox. Ah ouais. Oh putain, je suis désolé. Non, tu m'as pas touché, j'ai eu de la chance. Fais gaffe, ça one shot hein, la masse. Hein. Attends, il y a eu un impact. Ah, attends. Non, ça va. T'as dû toucher en même temps le zombie, je pense. Ouais. Tiens, il y a des balles de 45 ACP, tu peux les mettre dans le chargeur aussi, je te les pose par terre. Oh, une boîte de... Oh là là, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai pas de place. RPK, et on a le chargeur à la base. Je regarde bien toi, regarde bien toi. Ah bon. Bien sur le dos. Je peux le porter, mais je peux plus. Voilà. Ouais, moi aussi, je peux pas ranger ma masse 60 depuis tout à l'heure. C'est dommage, j'ai plein de place. T'inquiète, on va se vider. On va te les lancer, tu vas les récupérer. Non, mais ça c'est une bonne nouvelle ça. Le RPK, on a le chargeur maintenant. Je vais fouiller le zombie. J'ai trouvé un morceau de fromage.
Bah, la dernière fois, dans un petit bunker comme ça, j'ai trouvé une MK18. Ah ouais? Ouais. Je spawn sur un nouveau serveur, je fais le premier bunker qui passe et une MK18. Salut chapeau de paille! Comment ça va mon ami? Et après, je me suis fait buter par un loup. Oh. Ah, ça c'est moche. Tiens, il y a encore du 45 ACP, ouais, j'ai mis ramassé par terre. Oh, des crackers! J'ai pas de place pour les gâteaux. Ah, j'en ai aussi ramassé. Ah, les balles. Poche. Les balles préférées à. De À chacal. chacun. Tu les veux? Ça te fera quelques balles de pompe? T'as des pannes? Pour chasser le corbeau? Yes, je te prends la ferraille. J'en ai remis une par terre, encore une ouais, ferraille. J'ai plus de place là. J'ai full de full. Par contre, non, bah tiens, je vais jeter du scotch, ça on en a. Tu veux ça ou pas? Bah, ouais, j'en ai un peu sur moi du scotch. Y'a un vieux. Ah non, tu parlais du gilet? Ouais, je l'ai par couteau. Ouais, ça, j'en ai un, c'est bon. Oh, je vais le laisser ça. Il y en a déjà un dans la caisse aussi. Là. Je vais le laisser, ça prend de la place pour rien. Bonne année, chapeau! Je vais lâcher cette merde. On va pouvoir ressortir. Bah, je pensais pas qu'on aurait looté autant, on va être obligé de se vider avant d'en faire un autre. Ouais, c'est clair. On n'a pas eu autant de chance hier. Hein. Non. Enfin bon, on avait quand même eu un AKSU et un, oui, c'est vrai, un M16 c'est vrai. Avec le chargeur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et bah là on a le deuxième chargeur, c'est-à-dire qu'on a une M16 avec deux chargeurs. Et un RPK qui a toutes les balles pour enfin toutes les balles, non, on a un chargeur de 75 balles donc ça devrait être bon. Par contre ça va être cata pour sortir. Pour bah pour courir. T'as fait ici? Ah non, t'as pas fait ici non. Ah bon? Ah bon, que t'es tout refermé mais. Ouais ouais j'ai tout refermé. Ok. Bah je referme tout le temps. Ah, les bunkers comme ça je. Quand je sais que je me casse. Maintenant on va s'amuser. Tu veux que je l'occupe un peu? Ah bah si t'arrives à le faire monter ce serait royal. Ah mais le problème c'est que j'ai un peu le stab, je vais stander, t'inquiète. Bah non mais tu le poules vers les containers et tu te planques en zigzag entre. Comme ça nous on peut courir droit devant à la sortie. Bon, je me soigne un peu là. J'ai pris cher. Je suis à 86%. Effectivement. Allez, je tente le coup. Et je l'ai remonté là près du grillage donc. Ouais, ça passe nickel, merci. Je t'en prie. Et moi comme un con je suis en train de boire. J'ai pas profité du. Par contre je peux retenter si tu veux. Non, j'ai ouais, fais gaffe faut pas te faire buter hein. Je vais me débrouiller. Et il est encore bugué en haut, tu peux foncer hein. Sûr? Ouais. Non, il revient. Ah non il redescend. Attends, attends. Non, non, t'inquiète. Je vais essayer de trouver une solution là, je suis en train de faire de la place pour courir plus vite. Bon moi je suis à 95% de vie, je peux le pull, hein, y a pas de soucis. Ah mais ils one shot, ils font très très mal hein, donc Non ça va. Ouais, t'as échappé belle ouais. J'ai un clou seul, je dirais. Eh tiens, je peux te filer un peu de matos en attendant. La hyène. Yes. Tiens, tiens cadeau. J'ai un truc pour toi. Si t'arrives à prendre ça et tu sauras la rigueur. T'es où? Bah je suis passé à côté de toi. Tiens j'ai ça pour toi si tu veux. Je sais pas si t'as. T'as de la place pour ça? Oh non. Elle est pas belle la vie. On est bien d'accord qu'avec un gun à la main il court plus vite. Une massue. Aucune idée. Ouais, on va dire que oui. Hein. Ah il est sympa le sac.
Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Il est mieux que le rouge. C'est gris net. Le rouge, il est même abusé. Attends, je sais ce que je vais faire. Personne a un arc pour lui tirer dessus, pour l'occuper? Non. Ah mais je vais sortir, je vais y arriver. Attends, je vais vite crafter un arc, hein, y a pas de soucis. Oh, t'inquiète, je suis... J'ai juste non, un... Je vais... Juste un Glock dans les mains, ça devrait passer. Je vais lui mettre une cartouche, mon tireur. Toi qui a tiré dessus? Oui, c'est moi. Du coup, il s'arrête devant la porte sans foirer. C'est bon, je suis au-dessus des... où il y a les containers. Donc en fait, je lui ai tiré dessus et c'est toi qui l'as chargé, quoi. Ouais, mais j'ai couru après. C'est bon, vous pouvez sortir, hein. C'est bon. Hein. On est dehors. Ok. Vous me dites dès qu'il repart faire sa ronde normale et puis je peux sortir. Il est en train de repartir sur son... C'est bon. Il est sur son point de patrouille, mais là, il vient vers toi. C'était chaud. Part dans l'autre sens, c'était bon. Tu peux y aller. Ah, il m'a quand même touché une fois, hein, l'enfoiré. Allez, on rentre sans s'arrêter. Quelqu'un peut prendre juste un gun ou... Moi, je peux. Sur une hyperthermie. Ça me permettra de courir plus vite. Bah t'es beau, tiens. D'ailleurs le mec. D'ailleurs le mec hier que j'ai tué qui rôdait autour de la base, il s'amusait à faire le chat dans le. Miaou, miaou. C'est genre. Vas-y. Il n'a pas fait le chat longtemps. Hein. La hyène, t'aurais de la place pour prendre quelques-unes de mes fringues parce que je suis en hyperthermie. Oui. Attends, je m'arrête. Attends. Ah, si tu pouvais porter ça, ça m'arrangerait. Alors attends, là ça va être un peu plus compliqué. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai de la place. Ouais. Ok. Sinon je mets dans le sac. Oh non, c'est bon. Il va falloir qu'on fasse un coffre, il n'y a plus de place pour tout stocker. Ouais, elle était plutôt pas mal cette première sortie là. Mmh. Créative. Un ASVAL, une Arbalec, une M16 et un RPK 74. J'ai déjà eu le pire quoi. Hein. Et je vais pouvoir prendre mon MP5 vu que j'ai un chargeur. Run, Mista. Ah, t'arrives pas à dormir, t'es revenu. On va faire une petite pause et il est essoufflé le papy. Ah, tu roules. Tu travailles jusqu'à quelle heure là? Bizarre. Ouais, ça fait une belle journée quand même. Hein. T'as 500 km à faire? Petite question là, Yen, est-ce que t'as une banane? Non. Je vais te la donner, c'est pratique pour faire du stockage. J'en ai looté une. Tant qu'à faire. Elle est en bon état. Merci. C'est une Lacoste, hein, tu feras attention. Si tu veux ressembler à une racaille.
Il me prend pour une Kaira ou quoi lui? Départ 6h, retour. Départ à 20h, retour 6h. Ok. Alors là, on n'a plus de mine du tout pour couvrir la base, hein, donc dès qu'on peut en faire une. Il y en a une à l'intérieur que j'ai mis, mais à l'extérieur. Ah, je t'ai dit, j'ai une antipersonnelle. Ah, yes, c'est vrai. Bon, nous, la clé mort, on va la garder pour un raid. Hein. Ouais. Surtout que c'est pas une improvisée, c'est la vraie là. Celle-ci, elle peut faire mal. Quoi. Bah, je crois qu'ils ont nerf un peu les. Ouais, un petit peu, mais bon, ça reste quand même le... après le C4. Explosif qui fait le plus de dégâts quoi. Qu'est-ce que c'est beau ce cam quand même. Non, il n'y a pas grand monde sur le live, mais c'est... C'est parce que je suis en dehors des jours prévus, parce qu'on est vendredi et d'habitude c'est mercredi dimanche, et en plus, pour être franc avec toi, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas pu en faire, donc c'est temps que je reprenne le rythme. Ah, il a totalement loupé sa flèche, c'est pratique ça. Mince. Oh, il m'a mis un de ses bons. C'était juste. On est là avec des arcs, des massues, on n'est pas super équipé. Hein. On a commencé hier sur le serveur, hein. On n'a juste pas fait le premier jour de live. Parce qu'en plus, comme par hasard, il a fait nuit, pour pas changer. Et puis donc on a fait juste un début de base, histoire qu'on fasse pas ça pendant un live, parce que c'est pas le plus intéressant. J'ai réussi à me perdre dans la base. On va stocker là, on rangera hors live ici. Je mets tout ce qui est armes et à stocker dans le meuble qui est à côté du drapeau. Ça marche. Hop. Attends, je suis obligé d'aller aux toilettes avant. Non, ça c'est pas une grosse communauté, faire, ça c'est clair. Et puis c'est pas un jeu qui est aussi ultra populaire, si je voulais être connu sur Twitch j'aurais pas fait du scam quoi. Mais bon, je suis pas là pour ça. Les cadenas. Stylo je mets avec les, ouais, je vais les lasers. Je vais les crafter tout de suite le stylo. On va poser une mine. Tu verras ici, j'en ai pris quand même quelques-unes. Ouais pareil. Encore mis 3 cadenas. Ah, il y a un zombie qui gueule là. Ça doit être un son d'ambiance parce que je l'entends pas. 3, 4, 5, 5 cadenas déjà. Attends, donc 6, 7, 7 à 15, on peut refaire un 9. Le silencieux de MP5 et le magasin va pas les enterrer parce que je vais récupérer mon MP5. Oh, tu sais qu'on a 14 cadenas et pas 15. On peut vite aller dans la ville en 2, bas. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. J'ai 2 cadenas sur moi, les gars. Ah, bah voilà, je vais le faire tout de suite. Mets-les dans l'armoire à côté du drapeau si tu peux. J'ai récupéré une boîte de munitions d'accord. Ouais, va falloir qu'on range. Il y a beaucoup beaucoup de trucs déjà. En peu de temps. Hop, cadenas en or. Ah, je mets le sac aussi. Hein. Ah, j'en avais encore un. Et une petite goutte de plus. Voilà. Petit à petit, on va remplir les... Les portes. Mmh.
tournevis, je vais garder dans l'autre. Ah, il y a un cadenas encore ici. Grenade. Ouais, va falloir qu'on range. Je ferai ça en live, c'est un petit peu le bordel. On va essayer d'organiser un petit peu mieux ça. Et le nombre de tournevis rouges est horrible. Ça tombe trop. On fait attention, il y a quelqu'un qui... Voilà. J'avais laissé tomber un sac à dos. Bon, on se fait un autre bunker là, vite fait, là, on a le temps. Hein. Ah ouais, deux secondes, je range. Attends, il faut que je range le sac à dos là, j'ai plus de place. On va faire la base militaire à côté. Il n'y aura pas besoin de craft, de unlock. Voilà. Et ça m'appelle et ma pioche. Ça, j'aurai plus de place. Ah, j'ai le M16 aussi à mettre. Oula. Oula. Mets-le dans l'armoire à côté du drapeau aussi. Ouais. Ferraille. Ouais, c'est vrai qu'on passe 2 heures à chaque fois pour ranger. C'est horrible. Non, là, c'est parce qu'au début, on a fait ça aussi à l'arrache. Généralement, une fois que t'as les trucs bien organisés, ça va. Ok, moi, je suis prêt à repartir. Peut-être un petit peu trop de flèches sur moi. Moi, je suis bon, là. Et je vais aller jeter un coup d'œil en avant. Je suis prêt aussi. Ah, tiens, j'ai l'arbalète à déposer. Hop. Tu veux la prendre? Moi, je vais garder le pont pour l'instant. Ça marche. Je la prendrai. Ok, là on est bien. Je prends ma massue. On est good. La nuit elle commence à tomber ou je rêve? Il y a moyen. J'en ai l'impression. Hein. Bah, au pire, j'arrêterai le live aujourd'hui à la nuit tombée parce qu'après on voit plus rien. C'est désagréable pour tout le monde. Donc. Allez. Go plein est. Hein. B3. On va à l'espèce de bout de camp là en B3. Hein. Ah, j'avais pas fait gaffe, t'avais posé le silo dans l'armoire. Ouais. La petite mine dès qu'on revient. Et la mine. Ah, dès que déjà on aura fini le rectangle qui reste pour la base, il n'y aura plus qu'à à tout augmenter. Ça va être vite fait. Là je pense qu'on est quel jour en vendredi. Même quand je me connecte un petit peu d'ici dimanche soir là, ou lundi, la base elle sera terminée. Après il n'y aura plus qu'à faire les protections autour. Pas tout proche, non. Je me suis mis la base est visible, mais je me suis quand même mis à l'écart hein, parce que j'ai fait un tour de la map avant de m'installer. Mais en fait, il y a beaucoup de comment dire, le nombre de joueurs du serveur, c'est pas des joueurs solo, c'est beaucoup des squads, donc il y a peu de bases, mais il y a beaucoup de monde. Donc c'est souvent des équipes de 3 ou 4. Donc au lieu qu'il y ait des bases de mecs tout seuls à droite à gauche, ben. Il y a moins de base du coup. À deux. Ouais, c'est pas à côté. Allez, bonne route, Mister. Merci d'être repassé, ça fait plaisir. Prends soin de toi, bon courage pour le boulot. On va en profiter, on va passer devant le bunker. On a perdu la hyène. Non, non,
Je suis en mode observe. J'avais peur que je sois endormi. Non, non. J'ai pas encore pris mes cachets. Est-ce que j'ai pris les miens? Ça a été forcé. Même les armoires sont ouvertes. D'ailleurs, il a oublié de prendre des balles dedans. Baïonnette. Oh, il y a un 1911 au-dessus. Je l'ai pas pris, il a 9%. En fait, même les balles, maintenant que je sais que ça enraye les armes, je vais toutes les virer, hein, ça sert à rien. Des balles de quart et tout, enfin, c'est dommage. En fait, ici, on vient juste chercher les armes pour les réparer, quoi. Ouais. Bon, après, ça dépanne, hein, quand t'as que ça. Ouais, un peu de poudre. Ouais, là aussi, j'ai une poudre. Deuxième baïonnette. Une pour le M1, une pour le Nagant. Ça contre les Z, c'est bien pratique. Ouais. Ça par contre, les baïonnettes, on peut les réparer donc. Avec du caillou. Yes. On y va. Les épouses, c'est toujours utile d'apposant. Par contre, il y a beaucoup de monde qui va au bout de camp à côté, hein, donc faut faire gaffe. Ouais, bout de camp, B3, Airfield. C'est des zones bien farmées en général. Bon, objectif, balle d'AK, balle d'M16, idéalement si on peut utiliser que des balles à 100%, on aura moins de surprises. Je vous propose, je m'occupe des hangars, il y en a un qui peut faire des trucs extérieurs et un les dortoirs. Ça marche. Tu fais les dortoirs, Matsu? Pas Matsu, la hyène. J'ai cru voir quelqu'un, mais je suis en train de vérifier. Quelle direction? 3h. Et 3h à part par rapport à quoi? À moi. Attends, je vérifie. Donc direction sud quoi. T'as une boussole sur ton perso ou pas? Non, non. Tu la veux? J'en ai une moi. Tiens, je vais la poser par terre là où je suis. Comme ça. Comme ça, si tu me dis plutôt sud, sud-ouest, c'est plus simple pour moi. Ok, ça marche. Merci. T'es vu loin ou proche dans... Non, non, assez loin. Assez loin. T'as vu dans quel sens il allait? Ouais, il repartait, il était sud-ouest. Ah merde. Ah, s'il repartait, ça va. On pourra y aller. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose. Mais il n'y aura peut-être pas d'ici. Hein. Ça fait peut-être du bunker là-haut. Hein. Alors, tu voulais que je fasse quoi, gros? Bah, c'est comme tu veux, sur les dortoirs, sur les hangars là en bas. Ouais, et t'as l'espèce de loot sur le parvis là. De champ de tir aussi, là, il y a une tente. Non, mais même ici, hein, collé au dortoir, il y a plein de loot militaire à l'extérieur. Histoire qu'on soit pas trop éparpillé.
J'ai l'impression que les portes sont ouvertes. La gueule. C'est moi. J'ai trouvé un copain. Bon, j'ai rien de valeur sur moi, donc si je meurs, vous montrez pas. Si c'est un ennemi, évidemment. T'as vu où je suis, gros? Absolument pas. Attends. Tu es dans la cantine, là? Ouais. Oh, un cadenas, des clous. Je vais prendre pour chacun les clous. Merde, il m'a vu. Le bordel. On avait dit discret, c'est ça? Ce qui est bien, c'est que comme ils se sont tous réveillés d'un coup, tout le monde va penser que c'est un bug. Ils vont contacter les admins. C'est bizarre, il y a tous les bots qui... Tous les mechas qui sont réveillés à plusieurs emplacements différents. Putain, mais il y a combien de Z dans ce truc? C'est des pétards si tu veux. Moi, il y a des aides, des signes qui sont normalement. Ils n'ont pas looté tout de suite. Flèche pour le arbalète. Je pense que ça n'a pas été loot. On a peut-être possibilité de donc faire un peu de... attention, pas de ramener tout le quartier. Moyen de repartir avec du loot. Quoi. Bon état 84%. Parfait. Oh, un harmonica. Nice. Balle de M16 encore. Il n'y en avait que 3. Ah ouais. Désolé, je suis de retour. Pas de problème. Comment ça fait par là? On a trouvé des balles de M16. C'est nice. Cool. En petite quantité, moi j'en ai eu 3, mais je crois que la hyène en a eu un peu plus. Bah on doit avoir un chargeur plein je pense hein, avec ce qu'on avait trouvé hier.
Balle de M1 en bon état. On a l'arme, hein. Balle de pompe. J'ai pas capté que t'étais à côté de moi. Qui? Toi? Hein? T'as pas vu un mec accroupi juste à côté? Boîte d'Aesval. J'allais dire le méca il est bugué, mais en fait non. T'as vu? Aldaka. Je pense. Alors, 21. Une boîte de. Balle de fusil de chasse. Viseur holo. J'ai un M9 mais il est qu'à 26% aussi. Ouais, on jette ça. J'ai pas pris du coup. Si tu savais ce que je viens de trouver. Night Vision. Un kit de réparation. Cool. Pour les pneus ? Non, pour les armes. Oh! Ah oui, ça c'est nice. On a un AK-74 à réparer. Mais il faut trouver le chargeur. T'as fait les deux hangars là? Ouais. Oh, il m'a shooté dans le poiré. La hyène, t'as fait tous les hangars là? J'en ai fait qu'un sur les deux. Je suis au fond. Je comprends pas, mais tu m'as quitté de la rue. J'ai un bug dans mon affichage. Attends. Ah, c'est bon. Voilà. Et là, il est à combien de pourcentage? 73%. Oh, ah non. Ah, genre d'AK-15, je pensais que c'était M16. Il ressemble. Fais gaffe, il va venir vers ici, la hyène. Ah ouais, exact. Ah, il y a une caisse là où j'avais jamais vu ça. Oh, encore un chargeur de RPK, le chargeur Camembert. Cool. Un pantalon militaire, si ça intéresse quelqu'un. Ouais. Balle de 45. Baïonnette d'RPK. Mais d'où il m'a vu? Vous avez pas fait encore les dortoirs en face là? Non, pas encore. Je suis dans le buisson là, j'ai le robot à côté de Gros Chip donc. Oh bah, je vais partir au dortoir alors. Et il est venu jusque devant le buisson. Ah, donc c'est pas moi qui l'a vu alors, c'est peut-être toi? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, là, pas bouger. Ça me fait penser à un live, ça, dans un buisson. Et du coup, je sais pas comment faire, parce que je le vois pas, lui. Ouais, faut pas comme Steven, hein, passe pas la soirée dans le buisson. Tu l'as... Il est remonté, là, ou pas, gros? Je pense. Attends, je vais sortir. Ouais. Ah, il m'a touché. Un joueur de bloc. Je vais mourir, je crois. Je peux pas te planquer dans un buisson. Il t'a eu? Je suis à 88% là.
Ah, ça va. Oh, t'es résistant. T'as encore de la marge. Bon, si je devais trouver une arme, qu'est-ce que vous voudriez? Oh, une petite AK. Hein. Classique. Bon, désolé, c'est un RPK. Vous me croyez ou pas? Il est passé devant moi, il m'a pas tué. Il t'a pas vu? On va pas te plaindre. Hein. Non, je me plains pas. Bon, ben, je vais faire opération PLS. Hein. Bon, ben, moi, il faut que je fasse de la place pour ranger. Au moins, on a su. Putain, le RPK, qu'est-ce que ça prend comme place par contre? Je vais le mettre dans le dos. Je vais devoir sortir, moi. Voilà. Qu'est-ce dans la cour, y'a rien. Un 1911 en bon état. Je serais bien tenté d'aller là-haut. Une tour, c'est faisable. C'est dangereux, mais c'est faisable. Dortoir numéro 4, il est fait celui-là. Et des balles de. Des balles de fusil à pompe là-haut. Ah, il tire sur quelqu'un. Ouais, j'en ai pris une bonne. Ah, c'est sur toi? Ouais. Ouais, j'étais en train de faire la petite cour et je me suis fait griller. Qu'est-ce que vous avez fait? Il reste encore des choses à faire ou pas là? Il reste les dortoirs côté sortie. C'est moi, vite. Résistant, toi. Et il vient vers moi, il est tout rouge. Elle est pas contente. Hein. Je voulais aller faire les tentes du milieu, mais il m'a vu. Plus que le dernier dortoir. Ah, moi je peux pas bouger là pour l'instant, j'ai le robot juste à côté de moi. Là, je suis encore full hein, et pourtant j'en ai de l'emplacement. Putain, moi je suis vide, j'ai rien trouvé quoi. Sur qui il tire? Je sais pas, c'est peut-être moi, je sais pas. Non, je suis du MP5.
Ouais, j'en ai chopé un aussi. Ils vont nous en vouloir les mechas sur serveur. On va les décharger tellement on se fait capter. Ils vont plus avoir de piles quoi. Ah, il est sur moi. C'est qui ? Oh ? C'est toi ? Ah bah. Et en parlant de piles, je viens d'en trouver une. Je suis dans la petite tente moi, sur le côté au milieu. On va les rendre fous ces mecs. Je crois que je viens de me prendre une balle. Donc... Oh, un pare-balles. Nice. Et le balistique résistant. À travers le mur. Si les gens ont pas compris qu'il y a quelqu'un à la bout de camp. Je crois que même en D4 ils nous entendent. Allez, va-t'en là, laisse-moi finir le. Moi j'en profite, je peux faire le mien tranquille. Pas pris de tournevis. Il y a un casier à forcer, je peux pas. Ils sont bien ces casiers ? J'ai trouvé deux casquettes. Ah, beaucoup. Est-ce que je viens de trouver une belle petite ACOG. Ça, c'est top. Pour mettre sur l'arbalète, tu vas kiffer. Ouais, mais il faut que je sorte vivant de là. Et là, c'est pas gagné. Ça, c'est. Effectivement, ça, c'est un vrai problème. Quelqu'un veut des bouchons d'oreille ? Non, ça va. Moi, ça va. Merde, il m'a tiré dessus. 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 Oh! Reboot serveur. Oh putain. Ah, ouais. On va pas. On va pouvoir relooter. Ouais, mais moi, je suis full, moi. Je suis full de full. Moi je reloute pas parce que le robot est juste à côté de moi. Bah, ça se passe comment quand c'est comme ça, on va mourir là ou... Non, juste la hyène. C'est rassurant. J'adore ton côté affectueux. Il me semble que parfois t'arrives même avant les bottes, 2-3 secondes avant, pour que t'aies le temps de bouger. Parfois, hein, ça dépend des PC. Il va arriver 10 secondes après. Et moi, ça se reconnecte. Ah non, j'entends déjà les bots. Oh, chut. Moi, je m'étais planqué juste avant que j'ai eu de la chance. Ouais, effectivement, le loot est revenu. Il y a une hunter. Bon, je vais pas la prendre. Mais... Ouais, je suis dans le buisson, donc... Ah, t'es pas mort, c'est le plus important, déjà. Ouais, ouais. Bon, je vais quand même essayer de loot. Il va falloir que je... Un bug lock. Reviens. Bon, j'ai jeté les balles en mauvais état. Pas moi là. Non, c'est moi. Je me rassure. Ouais. Ouais.
visiblement, ça a pas remis le loot. Ouais. Je sais pas, j'ai tout qui est vide, moi. Ah, c'est parce qu'on a pas de chance, hein. Mais là où je suis, il y a des armes pesées sur les lits et tout, donc... Moi, il va falloir que je sorte, là, parce que... le robot est trop près de moi. Allez, vas-y, hein, si t'arrives à sortir. Si je pouvais sortir, ce serait pas mal. Ah, la sauce soja, c'est cool. C'est pas moi. C'est moi, ça fait deux fois qu'il me brûle. T'es parti faire les grands hangars là ? Non, non, je voulais y aller. Ouais, y'a pas une sortie là ? Qu'on fasse comment là ? Ah merde, il revient. Merde, il va venir sur moi là. C'est juste, juste. Ah, je voulais traverser, mais... Reviens deux minutes. Oui. Comme pour tout j'ai pris pendant qu'il se balade. Bon, deuxième gilet balistique. Toi t'en as déjà un, Seven? Yes. Il sera pour la gaine. T'avais fait le dortoir ou pas? Je l'ai pas fini. Okay. J'arrêtais pas de me faire griller. Ah, j'en suis à mon quatrième chargeur de 1911. Ouais, j'en ai plus quelques-uns déjà. T'es pas obligé de tous les garder. Hein. Donc, quoi que de toute façon, on en a que ça. Donc. Ouais, on en a plusieurs, il me semble. Ouais, j'en ai looté un, moi. 1900. Il y en a encore un dans une caisse. De toute façon, je fais encore un dortoir et on va y aller. Enfin, moi j'y vais, hein. Je suis totalement full. Et comme ça, je termine le live pour ce soir et je vais commencer à ranger un peu. Là, c'est un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs à trier. Non, il y a que... pour le moment RPK et Gun, je trouvais que ça. Ah, pour américain. C'est une arme, hein. Ouais.
Ouais. Plus grand chose. Oh, un chargeur d'AK. Oh, 47, 74. 47. On a deux camemberts en fait, hein, d'ailleurs. Puisque on a celui qui est dans le coffre et celui que j'ai trouvé sur moi là. On a deux RPK, on a juste à le réparer. C'est-à-dire qu'on peut déjà être en automatique. Bon, par contre, on n'a pas de viseur, j'ai qu'un holographique. Sachant que la COG vaut mieux le garder pour l'arbalète. T'en veux, j'en trouve souvent, hein, j'en ramasse même pas. Hein. Ça y est, j'ai tout fait ici. Ouais, je termine le dernier là. Et heureux. Ouais. Ouais. Je t'ai trouvé un petit gilet par balle. Pour qui? Pour toi. D'accord. Vas-y, je vois que ça te fait plaisir. Ah non, mais c'est pas ça, c'est... Ah d'accord, super. C'est bon, j'ai réussi à sortir. Ouf. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, je fais 2-3 caisses et je te rejoins là. Parce que là, je me suis pris une paire de pruneaux. Heureusement que j'avais des... J'allais dire des kits de réparation, mais non, des pansements, mais... Des kits de réparation d'hyène. Ouais, voilà. Attendez. Par contre, faut que je boive un maximum, parce que là... J'entendais du bruit, mais je sais pas si c'est nous ou pas. Moi, je viens de faire du bruit il y a 2 minutes dans le buisson. Ouais, non, mais c'était des... bruits de pas que j'entendais. Comme quelqu'un à l'extérieur de l'enceinte. Ok, parce que moi je suis dans les hangars. Et bah j'ai encore un gilet balistique. Elle est pas belle la vie. Sauf que je sais pas si je vais réussir à le porter. J'ai pas intérêt à bouger parce que le méca il passe juste devant moi. Vous avez relouté ou pas? Ouais, on a tout fait. D'accord. Et là, j'ai tout fait de mon côté, je vais sortir. J'ai un rail pour AK. Oh! Ça, c'est beau ça. T'es dans le dernier hangar, toi aussi t'as fini. Ouais. Ouais. On se retrouve à l'extérieur? Oui. Ouh, 2 cadenas. Je vous retrouve en forêt en ouest. Ça marche, je te rejoins, je fais le tour. Quelqu'un est capturé? C'est gros? Ouais, je crois. Ouais, je suis sorti un peu comme un bourrin, mais j'ai pas eu le temps d'arriver à la porte.
il fait nuit là. Ouais, d'un coup là, c'est tombé. Il y a deux sorties ici. Oh l'enculé. Attends, il y a deux Z qui sont venus pour moi, je sais pas d'où ils sortent. Tu veux un coup de main? Non, c'est good. Je vais pouvoir remercier tous ceux qui sont passés sur le live pour la première de la saison. Il fait nuit donc vous verrez plus rien. Déjà que nous on voit pas grand chose. Je vous dis à très vite. Soit en solo, duo, trio ou quator. Parce qu'on peut être plus hors, pardon. Donc, on est 4, ce soir on était 3. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Groschip et la Yen d'être venus sur le premier live et de me supporter. Parce que c'est plus dur que faire du loot ça. Et puis bonne soirée à tous. Ciao ciao les amis. Et ciao à très tout vite. Monde. Ciao.